Y'a plaît pote, vous allez bien ou quoi? Je suis un survivant. Alors là, tu vas te dire, ouais, t'es un survivant de quoi? De la guerre du Vietnam? De Verdun? Non, de la grippe. De la grippe, simple, juste la grippe. Je vous épargne vos blagues, ok? Je n'ai pas bu du bouillon de chauve-souris, non. Je n'ai pas le coronavirus, hein, parce que ça fait 2 jours dès que je dis j'ai la grippe. On me dit, t'as le corona, reste une pizza, c'était cool de te connaître. Allez vous faire foutre. Même si je mentirais si je disais que j'y ai pas pensé un instant. Puis je me suis dit, calme-toi, il y a peu de chance quand même, donc tu vas pas emmerder ces braves types du SAMU ou des hôpitaux. Et de toute façon, aujourd'hui, j'ai repris des couleurs. C'est la première nuit complète que je tape en 3 jours. Gros, c'était un enfer. Je me sentais vraiment pas bien. Mais je pense que maintenant, tu le vois, je suis bien. Et tu le vois grâce aussi aux produits que les frérots de chez Elgato m'ont envoyés. Ça fait quelques semaines que j'ai cette jolie lumière. Regardez-moi cette belle gosse. Wouh! Ainsi que ce joli fond vert que je n'ai pas encore utilisé, mais dont je trouverai l'utilité un petit peu plus tard, ça y a pas de problème. Je vous mets les liens des deux produits dans la description, vous pouvez les retrouver chez à peu près tous les streamers, ça peut être utile, je les remercie. Bon, maintenant que je vais un petit peu mieux, du coup, je peux enfin faire des vidéos, wouhou. J'avais fait une vidéo il y a 2 semaines où j'avais sorti le fusil à pompe sur Shipment, et même si ça va bientôt faire 3 mois que le jeu est sorti, j'avais quand même réussi à choper des gens qui m'ont dit « Ah, Zach, tu pourris le build, c'est bon, c'est bon. » Oh, vous me saoulez, sérieux. Du coup, cette fois, j'ai dit « On va pas sortir le fusil à pompe, on va sortir le sniper. » Donc aujourd'hui, c'est parti pour un épisode du « J'ai sorti le sniper sur Shipment ». C'est parti. Bon, je me suis découvert une vocation avec cette arme là, cette carabine. En fait, c'est quand j'ai monté l'arbalète, c'est là où j'ai compris, tu vois, en faisant de multiples kills avec, que je suis très très fort. Bon, je vais m'excuser d'avoir la voix du père Fouras dans cette vidéo, hein, vous m'en voudrez pas trop. Ce sera pas très sexy, pas très mielleuse, ni très agréable à écouter. Bon, on va faire au mieux, on va faire au mieux. Oula, doucement toi, doucement, tu vas te calmer, tu vas te calmer. Hop là, petit double, oui, oui. Attends, parce que vraiment, en off, tu vois, quand je joue en off, j'arrive à caler des belles séries, des petits trips, des petits quadras. Et j'ai envie de refaire la même en vidéo, tu vois. Parce que je sais que vous, vous aimez le beau jeu. Nous, on est là pour le beau jeu. On est là pour le beau jeu. Ouh, attention. Hop là. Non. Non, dommage. Ah, le beau jeu. À la recherche du beau jeu, les gars. À la recherche du beau jeu. À la recherche du beau jeu. À la recherche du beau jeu. Non, le beau jeu me fuit comme l'équipe de France de Didier Deschamps. Mais on avait la victoire, donc c'est bon. Ça va, ça compense quand même pas. Hop là, un petit kill, attention. Franchement, je vais vous dire un truc, les gars. Cette maladie que j'ai eue, c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Vraiment, je ne regrette pas trop. C'était un peu chiant. Mais grâce à celle-ci, j'ai commencé à regarder un animé qui s'appelle... Oula. Ça s'appelle My Hero Academia. Magnifique. Magnifique. Parce que oui, quand t'es malade, tu restes dans ton lit comme un gros connard. Et avec ma petite télé à 500 balles, achetée avec l'argent des abonnés, bah, j'ai pu du coup regarder cet animé et le découvrir. Bon, j'ai regardé 4 épisodes, hein, mais je kiffe. Je sais pas s'il y en a ici qui vont déjà conseiller cet animé, mais une dinguerie survalidée. Hein. Vraiment, vous avez... si c'est le cas, vous avez bon goût, mes frérots, les abonnés. Le beau jeu! La dave directement! Oula, doucement. En fait, cette arme-là, tu vois, quand je joue avec, j'ai du mal à dire que c'est un sniper, tu vois. C'est pas vraiment un sniper, parce qu'elle a une trop grosse cadence. Elle se joue pas comme un sniper, ça te donne le droit à l'erreur, tu vois. C'est un peu l'arme des infidèles, ça c'est l'arme des... Ça c'est l'arme des mecs qui trompent leur meuf, tu vois, et qui ont une seconde chance dans la foulée. Genre, tu te rates, c'est pas très grave, parce que dans la foulée... Hé, hey, laissez-moi spawn au bout d'un moment! Oula, direct derrière. Oh, je peux pas l'envoyer à un autre Adam déjà. C'est dommage. Merde. Bon, je tenais à vous remercier. Vous avez kiffé la vidéo Cracovie. Voilà. Vos commentaires étaient trop sympas. Vous avez adoré. Moi aussi, j'ai adoré la faire. En plus, vous avez pas menti. Hein. Je vous avais dit, c'était la vidéo la plus travaillée que. Le vlog le plus travaillé que j'avais sorti sur ma chaîne. Franchement, pour le coup, il n'y a pas eu de mensonge. Ouh là là, sur la marchandise de la part de Zach, il n'y a pas eu de mensonge. Donc globalement, vous avez adoré et en plus de ça, vous avez été tellement sympa que j'ai même pas eu à supprimer un seul commentaire. C'est-à-dire que madame n'a même pas essuyé un commentaire désagréable de votre part. Et ça, ça me fait plaisir. Tu sais, tu connais, il y a des abonnés un peu beaufs dans l'eau, tu vois, qui sont pas drôles et qui vont dire un truc désobligeant. J'ai même pas eu à modérer tellement vous avez été cool. Vous êtes pas comporté en fait comme des singes.
Et ça, croyez-moi que ça compte pour moi. Je suis quelqu'un, moi, qui montre pas trop ma vie privée, tu vois, que ce soit meuf, maman, famille, toutes ces conneries. Et ça me fait plaisir d'avoir pu vous la montrer un petit peu sans que... Il y a de bonhommes qui mettent des commentaires main dans le slip. Voilà. Alors en plus j'ai travaillé le format voix off et tout. Et ça vous a plu. Donc moi c'est lourd, je compte en refaire. Et la prochaine ville, ce sera Budapest, mon frère. Budapest. J'ai envie d'aller en Bulgarie. Non, Budapest en Bulgarie. Oh, je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Hitmarker. Bon lui, là, je lui mets Hitmarker, mais ça compte. Pas ce week-end, parce que vous voyez, j'ai encore parlé du mode league récemment, etc. Il y avait la première Cold War League, genre la première épisode, tu vois, de la LAN Call of Duty Modern Warfare, etc. Enfin, là, c'est des WM. C'est trop marrant parce qu'il y avait un open event, tu vois, un event ouvert pour ceux qui n'étaient pas pro, je sais plus exactement comment ça se passait, bref. Mais en gros, oh, yeah, cassé les spawns, c'est vrai. Comment ça perd pas sur. Ouh, c'était rapide, hein. Donc je vous disais, du coup, ouais, ce week-end, il y a eu la première LAN, et en fait, une partie de celle-ci, donc de l'open du tournoi ouvert, tu vois. Oh là là, zut. La première partie de ce tournoi ouvert était jouée. Bon, il y avait des belles stations, etc. Mais no fake, c'était... Oh, shipment, quand t'es comme ça, qu'est-ce que je te déteste. Même si... Non, 0-4 au start, wouhou. 0-4, 3 spawn kills, hein. C'est un plaisir. Attends, 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 avant que je vous raconte ma vie, là. Voilà, petit double. Voilà, petit triple. Et voilà, c'est comme ça qu'on se relève. Après avoir mal démarré. Wouhou. Du coup, ils avaient joué une LAN dans un garage, et en fait, si tu veux, j'ai vu des... Oula, je lui ai mis un seul coup. J'ai eu des bonhommes se plaindre, ouais, on joue dans un garage, machin, sauf que, ouais, sauf que le cash price, c'était de 250 000 $, gros. Oh là là, comment il a pris cher. Attention, peut-être encore un autre gars. Oh là là, il s'allonge comme une petite... La monétisation, on la respecte, on a envie d'avoir des thunes. Ouh. Donc non, j'ai vu, ouais, des bonhommes se plaindre d'effectivement jouer dans une sorte de grand garage aménagé, tu vois. Mais c'était aménagé propre, hein, c'était pas crasseux, tu vois. Alors que, tu vois, ils étaient placés là, et pour jouer avec, pour un cash price de 250 000 balles, les conditions étaient quand même bonnes. Non, 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 excusez-moi, j'étais scandalisé. Parce que frérot, vous êtes devenus trop luxueux, là, les joueurs Call of Duty, là. Comment ça, vous vous plaignez de ça? Vous jouez pour 250 000 balles, et vous arrivez à vous plaindre? Gros, moi, à l'époque, je jouais dans des gymnases à Waplage, pour 150 balles, j'étais casté par Surion, qui avait la voix cassée à la fin du week-end, gros. On mangeait des pâtes au kebab, on jouait dans des salles à Cergy, à la SFCO. Dédicace à eux, d'ailleurs, je crois que c'est fini. Mais ils auront fait vivre la scène quand même pendant un long moment. Ça dormait dans des Ibis budget, gros, ça... Oh, quel enfer, les mecs qui jouent au bouclier. Je vous jure, au début, j'avais pas compris pourquoi il y avait des bonhommes qui jouent au bouclier, mais ensuite, j'ai réfléchi. C'est ceux qui veulent pas se faire tirer dans le dos, bande d'enfoirés. Ouais, toi, dans ta race, toi, hop. Oh, le double. Non, pas avec marqueur, j'ai tiré dans le haut du corps. Oups. Je suis dans la merde. Boum. Je suis encore dans la merde, je suis encore dans la merde. Hop là, encore un kill. Ah, j'étais dessus, j'étais dessus. Non, il a spawn dans mon dos. Donc ouais, excusez-moi, respectez les OG, là. Jouez dans des garages à 250 000 balles et soyez contents, ne vous plaignez pas de ça. Maintenant, ils veulent tous jouer dans Disneyland ou dans les studios de Dorcel TV. Vous êtes des ouf, vous. Pensez à l'époque quand nous on se faisait commenter par Surion et Iceman et qu'on jouait pour des chèques cadeaux et qu'on bouffait des pâtes au kebab et des sandwichs dégueulasses. Ça, c'était l'authenticité, mon frère. Mais par contre, j'avoue que l'authenticité elle rapportait pas de thunes. Boum, ok. Bon, c'est des bottes, un peu. J'ai pas encore rentré un vrai clip là. Le maximum que j'ai fait, c'était un clip. Allez, on recharge. 4. Kill. Allez, un petit clip. Ouh, j'ai failli prendre cher là. Vas-y, on va se concentrer, on va tenter de rentrer le vrai clip. The true clip. Le vrai clip. Le vrai hitmarker. Télescope. Double. Triple. Allez, encore, encore. Triple, triple, triple.
Mais il est au milieu de mes alliés, il regarde pas. C'est n'importe quoi cette map. T'imagines l'algorithme de spawn, comment il est débordé par cette map. Regarde! L'algorithme de spawn, il en peut plus, il regarde à droite, à gauche, devant, derrière. On dirait la billetterie du Stade de France quand il y a Tokyo Hotel qui vient. Tokyo Hotel, que je crois. Là, petit double. Il y a quelqu'un là-dedans, mais je vais pas aller le voir, moi. Allez, si, je vais quand même aller le voir. Hop là! Oh, le petit kill! Oh là là, c'est une 4! Non! Allez, I want more, je veux plus, je veux plus! Allez, on va aller voir où là-dedans. Dommage! Et... même ils savent. Le rebut avec sa carabine, mais à pas à challenge. Hop là, un petit kill encore. Hop là, mais vous voyez comment je suis à l'aise avec cette arme. Hop là, c'est mon terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu, je vous dis. Un drone, allez, on peut encore faire mieux là. Par contre, tout le monde s'en fout de l'objectif. Hein. Bon, moi, le premier, j'ai envie de te dire. Je vais éviter de faire des reproches aux autres alors que je suis le pire en la matière sur cette partie. Il y a quelqu'un là-dedans, je pense qu'on va voir, il est meilleur. Vous êtes chiants. Hein. Ils sont chiants, les campeurs. Hein. Oh non! Oh, j'ai failli mourir. Oh, let's go, let's go. Et bientôt à Nada. Hop, encore un kill. Allez, un Nadav, un Nadav, un Nadav. Let's go, la Dave de Zach. La Dave de Zach en mission. À la carabine, encore. Encore un kill, encore 125 points. Hop là, Adam. Youhou. On s'en fout, on a la Dave. Je laisse passer rien trop encombré, bande de racistes. Oh, le trip à la grenade! Oh, le trip! Le trip, mesdames et messieurs! Non, par contre, il y a trop de grenades. Oh, c'est n'importe quoi. Frère. Ça va finir! Ouah, mon frère, c'était n'importe quoi. Bon, 50 kills malgré tout, on s'est bien amusé. Bon, ben voilà les potes, c'était pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.